On est dans la voiture. Je suis en route pour aller au boulot. Aujourd'hui, c'est la grève des trains, donc je ne ferai pas mon trajet en train plus vélo, comme d'habitude. C'est l'occasion pour moi de pouvoir également discuter avec vous en toute intimité. Alors aujourd'hui, format inhabituel, c'est ce que je vais appeler un cookie astro. Tout simplement, c'est une vidéo assez courte et je vais pouvoir m'exprimer un petit peu sur ma pratique de l'astronomie, etc., etc. Enfin, des petites news. D'abord, moi je vais commencer par mettre juste au point une petite chose. C'est une réflexion qu'on m'a faite, une interrogation plutôt, je dirais, de Fred, hein, Fred Bertoni, Fred l'astronome sur sa chaîne, vous pourrez aller le voir, c'est une chaîne vraiment géniale, qui me posait la question tout simplement de savoir quelle était la plus-value de fabriquer des choses soi-même, maison, alors que tu peux acheter les choses directement fabriquées par des professionnels, vendu sur internet, un clic, hop, des frais de port, et hop, on a tout ça dans la boîte aux lettres. Mais pourquoi s'emmerder, pourquoi s'embêter à faire les choses au risque éventuellement de mal faire, peut-être, hein, je ne sais pas. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément doué de ses 10 doigts, n'a pas forcément la fibre du bricolage. Préférera effectivement acheter les choses. Alors bien sûr, on peut se dire aussi, c'est peut-être parce que fabriquer soi-même c'est moins cher que dans le commerce. Oui, je dirais oui, en général oui. Par contre, c'est pas forcément moins cher. Hein. Attention, hein. Je vais prendre l'exemple du filtre solaire que j'ai fabriqué. Le filtre solaire, il m'a coûté quoi 12 euros pour le filtre Bader. Il m'a coûté 3 plus 3, donc 6 euros pour les boulons et les petites rondelles. Donc ça fait 6 et 12, 18 euros à peu près. Ça m'a coûté du scotch, le scotch armé, le scotch double face. On va rajouter 5 et 5 euros, ça fait 10 euros, 18, 28, 28 euros. Voilà, le reste, l'agenda il était gratos, tout ce que j'ai acheté comme matériel, le scotch armé, le double face, les rondelles, les boulons, tout ça, ça va pouvoir être récupéré pour un autre bricolage ou l'autre. Donc quelque part, ça a vraiment coûté entre une vingtaine d'euros. Quoi. Sachant qu'un filtre Bader fait par Bader, vendu sur le site astroshop.be, ça coûte donc pour un 80 mm, donc pour un petit télescope, ça coûte 65 euros, 10 euros de frais de port, 75 euros. Voilà. Vous voyez la différence, elle n'est pas énorme. 75 euros, c'est pas une somme mirifique, hein. On peut acheter neuf. Voilà. Alors maintenant, je vais m'expliquer pourquoi est-ce que je fais ça moi-même. Tout simplement parce que c'est avant tout un grand kiff, un grand plaisir. Le bricoleur. Plaisir de faire, plaisir de faire du do it yourself. Moi, c'est depuis les années 80. Hein. Ça fait longtemps que je fais tout moi-même. Je fais ma plomberie, ma mécanique auto, mon bricolage de jardinage. J'ai même fabriqué des équipements de sport pour aller courir, pour faire de la musculation. Je fabrique tout. Voilà, moi, dès que je dois faire quelque chose, dès que je dois acheter quelque chose, je me pose toujours la question avant, est-ce que je peux pas le faire moi-même? Voilà. Et pour l'astronomie aussi. Hein, ça va aussi pour les sites internet, pour les bricolages en électronique, les logiciels. J'ai appris à programmer. Je fais tout moi-même. J'essaie de faire un maximum moi-même. Bon, c'est un art de vivre, c'est une philosophie. Mais effectivement, on peut acheter les choses. C'est aussi peut-être plus facile pour certains. On clique, on paye. On attend que le facteur amène tout ça et en moins d'une minute on déballe et on peut utiliser le filtre solaire
pour aller observer le soleil. Moi, il m'a fallu à peu près une heure et demie pour faire, rassembler le matériel, creuser l'idée, et puis faire le filtre lui-même. Pareil pour la webcam. Moi, la webcam astronomique que j'ai achetée juste après, c'est la Bresser Micro QR. Elle vaut 50 euros, 50 balles, c'est rien, c'est que dalle. Franchement, c'est que dalle. Voilà, donc, il y aura le partisan de on achète et c'est fait par des pros, ou alors on a du plaisir à le faire et on le fait, mais on le fait bien. Attention, on le fait bien. On doit penser les choses, on doit phosphorer un peu, hein, on doit se creuser les ménages, et ensuite il faut être doué de ses petits doigts et voilà, faire travailler ses mains et sa tête. J'adore quand un plan se déroule sans à-coups. Moi pour tout et l'astronomie, c'est mon credo. Voilà, Fred, j'ai répondu à ta question, pourquoi est-ce que je fais moi-même? Et je continuerai à vous expliquer des tas de choses à faire vous-même si vous voulez le faire. Donc à chaque fois que je ferai un bricolage, désormais, Fred, je penserai à toi et j'expliquerai combien ça coûte dans le commerce, combien ça coûte à fabriquer soi-même. Et puis vous savez que pour moi, c'est avant tout un grand, grand, grand plaisir. Voilà. Salut les astros, ciao, bye et à très bientôt. Gardez l'œil à l'oculaire. Voilà, ici, il fait beau. Mais ça va pas durer, d'après le monsieur de la météo, ça va se couvrir, il va y avoir des orages. Voilà, ciao, bye.